Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans un portail énergétique. Je n'avais pas prévu de vous faire un tirage, mais je vais quand même aller voir avec mes cartes ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. Je vais aller voir quels sont les petits anges. On va aller voir avec les artisans de lumière ce qu'on a à nous dire. Et on va aller voir quels sont les messages. Si je suis attirée par mes cartes, c'est pas pour rien. Installez-vous confortablement, on ne va pas faire un long tirage, mais je veux quand même savoir quels sont les messages du jour. 12-12-21, c'est pas rien. Tiens, l'ange des vies antérieures. Eh ouais, il y a quelque chose qui vient nettoyer là, hein. Vraiment. Si l'ange des vies antérieures est avec nous, c'est pas pour rien. Derrière, on a l'ange de l'issue positive. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire qu'on va peut-être être remis face à des modes de fonctionnement du passé qui ne nous appartiennent pas à nous dans cette vie pour pouvoir les nettoyer et s'en libérer. Vous savez que le but, quand l'univers nous remet des choses en face de la tête, bah, c'est toujours pour s'en libérer, hein, et puis passer à autre chose de mieux pour nous. Hein. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, mes multivers, à la source, pilier de lumière, tiens, regardez. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc peut-être que aussi dans des vies antérieures, vous étiez plutôt médium, ou vous voyez, vous aviez des capacités à cette histoire de famille d'âme aussi, vous voyez, de se regrouper avec des mêmes personnes. On le voit énormément en ce moment, il y a beaucoup de familles d'âmes qui se recoupent, qui se retrouvent, et ça se sent au niveau énergétique. Des personnes qu'on a l'impression de qu'on a toujours connues toute notre vie, alors qu'on vient juste de rencontrer. Donc, c'est intéressant de voir ces cartes qui tombent comme ça aujourd'hui avec ce portail énergétique. Quels sont les messages de Gaïa pour aujourd'hui, le 12-12-21, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, mes multivers, à la source. Il faudrait que je vous fasse une petite déco de Noël aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. J'essaierai de vous faire ça. Allez, quels sont les messages de Gaïa pour aujourd'hui? Bah alors, parle-moi. Regarde-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer. Purification par le feu, strict, nécessaire, vérité, intégrité. Waouh! Alors ça, c'est puissant. La purification par le feu peut nous parler, vous voyez, par exemple, la sauge, on va la brûler. Ça me parle aussi de brûler quelque chose, de vraiment de mettre à l'état de cendre. Vous savez, c'est comme dans le Roi Lion. Je vous parle souvent de cette scène dans le Roi Lion. Je crois que c'est dans le 2, où quand tout est brûlé, il met sa patte, vous voyez, il fait comme ça, et là, il y a une petite pousse qui ressort. C'est vrai, et c'est exactement ça. On purifie par le feu, on va nettoyer, brûler ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour aller repartir vers quelque chose de nouveau, qui serait plus attrait à la spiritualité. J'ai aussi début nouveauté, l'arbre de feu hein, derrière. Hein. Donc là, ça me parle vraiment de feu. Le feu, n'oublions pas que c'est la passion aussi, ce qui nous passionne à l'intérieur de nous. Les désirs, la passion, le feu ardent, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit souvent la flamme, il a rallumé ma flamme, vous voyez, c'est les gens qui sont amoureux, ils vont dire ça souvent, il ou elle a rallumé ma flamme, cette flamme intérieure à l'intérieur de notre cœur, là, parce que ça rallume la passion, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc on va aller voir avec les tarots quels sont les messages pour aujourd'hui, quel est le message, les messages, la force, regardez. Vous avez la force de dompter votre mental en allant vers votre spiritualité, c'est-à-dire en écoutant votre âme, voyez, plus que votre tête. Ou la mort. Décidément, on n'a que des arcanes majeures. Quelque chose de très puissant qui se passe aujourd'hui. Les arcanes majeures, ce n'est pas rien. C'est des gros changements. Là, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on laisse mourir. On laisse quelque chose derrière pour aller renaître. La mort, pour moi, c'est la renaissance, vraiment. C'est laisser mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être un mode de fonctionnement, quelque chose qui ne nous appartenait pas, qu'on avait mis en place par rapport à des vies antérieures, vous voyez. On va laisser mourir tout ça pour aller vers le jugement. On a encore une arcane majeure, et non des moindres, le jugement. Le jugement, c'est le jugement divin, vous voyez, ça réveille les morts. Il y a comme une espèce de prise de conscience qui se fait à l'intérieur de nous, de ce qu'on doit définitivement lâcher, laisser, brûler, se libérer pour aller vraiment vers quelque chose d'autre en ayant une âme en paix, en étant beaucoup plus léger. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, vous voyez. On a les illusions qui tombent. La carte des illusions. Donc, la carte des illusions, c'est au niveau du cœur, là.
voyez, c'est la seule carte qui n'est pas une arcane majeure. Et ça va être pour moi sortir des illusions, sortir de réussir à faire un choix en son âme et conscience, vous voyez. Derrière, on a le 10 de denier, donc on vous parle de bonheur, de plénitude en famille, de matérialité, de matérialiser quelque chose. On va aller matérialiser quelque chose de l'ordre de la transmission aussi intergénérationnelle, parce que c'est vraiment ça avec le 10 de denier. C'est on transmet un héritage matériel et financier, mais pas que. On transmet tout un héritage aussi. Et donc, on en revient à ses vies antérieures, on en revient à la transmission, on en revient au partage, vous voyez. Ça peut vraiment me parler de nettoyer des lignées transgénérationnelles, vous voyez, d'aller comprendre dans ses vies antérieures pourquoi on a ce fonctionnement-là. On va aller débloquer l'abondance, là, le bonheur, l'abondance. Et on a la force de débloquer cette abondance parce qu'on écoute, encore une fois, son intuition, sa spiritualité, parce qu'on est ancré au niveau de la terre et qu'on est ancré dans ce qui nous fait vibrer et ce qui nous anime, voyez. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. Donc, c'est une situation dans laquelle on s'est trompé, des personnes qui nous ont trompés, qui nous ont dupés, des personnes qui ont été malhonnêtes, vraiment, qui nous ont volés peut-être. Là, on va laisser toutes ces personnes qui nous ont pris de l'énergie aussi derrière et on va vers quelque chose de différent. Le jugement, j'en ai deux. Waouh, magnifique, regardez, on s'en va. On part, on quitte une situation et c'est ça le jugement divin, la justice divine qui tombe. On quitte une situation qui n'a plus lieu d'être. Le 6 d'épée, c'est ça, on quitte une situation qui n'a plus lieu d'être. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le 10 de coupe. Le bonheur au niveau de notre âme, le bonheur en famille, un couple parfait, le couple idéal certes, mais c'est aussi être beaucoup plus aligné au niveau de sa famille, au niveau de sa famille d'âme. Voyez, on va vers des personnes avec lesquelles ça vibre plus haut, on peut construire quelque chose. Et là, on va pouvoir trancher et couper dans une situation dans laquelle nous n'arrivions pas à faire un choix peut-être. Et en se reconnectant à notre cœur, en coupant ce qui n'est, toutes les trahisons, les blessures, les tromperies, ça peut être des blessures d'âme. Mais là, je vois vraiment qu'on va couper plus avec des personnes qui sont plus bénéfiques pour nous. On va libérer notre âme pour aller vers quelque chose de plus stable et du coup, on va être tout à fait conscient et tout à fait capable de voir clair dans le 8 de coupe où c'est l'illusion. On ne sait pas quel choix prendre. La reine de coupe, elle sait tout à fait quoi choisir et comment choisir. Elle tranche, elle coupe, elle prend des décisions parce qu'elle écoute ses intuitions. Elle prend de la hauteur, la reine de coupe. Regardez, c'est magnifique. On va dans un nouveau départ. C'est vraiment, on va vers quelque chose de nouveau. En plus, derrière, j'ai le page de bâton qui va nous parler de cette énergie de feu qui est là. Alors, ce tirage est super intéressant. Vraiment. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a à nous dire encore comme message. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Regardez, la sexualité me parle de rapports profonds. On a la force de se recentrer sur soi, sur ses projets, sur quelque chose qui nous fait plus vibrer, de se reconnecter à son intuition. Et là, on a la sexualité qui tombe. Et la sexualité va nous parler d'ancrage, de communication, de relation d'âme, de quelque chose de puissant, de fort, vous voyez. Là, on est sacrément ancré là, hein, dans ce tirage. Hein. Sur la mort et la tromperie avec le 7 d'épée, regardez, on vous dit que c'est une chance. C'est une chance de mettre en lumière les situations et les personnes qui vous ont trompé, trahi, blessé, dupé, menti, parce que vous allez pouvoir vous en libérer. C'est la chance, c'est une chance que certaines relations ou autres cessent, vous voyez, parce que vous allez aller vers quelque chose d'autre. Il y a la jalousie, peut-être une triangulaire ou des énergies tierces, des serpents, des personnes qui parlent. On quitte tout ça. On quitte tout ça pour aller vers quelque chose qui nous parle plus à nous et qui est plus stable et s'équilibrer dans notre intérieur, vraiment. Donc ça, c'est un portage énergétique très puissant. On va pouvoir libérer beaucoup de choses si on le fait en conscience. Ça va être important. Regardez, on retrouve cet équilibre là, vraiment, où on va faire des compromis. Ça peut me parler de contrat, de compromis, de contrat de travail, mais ça me parle surtout de compromis et d'être équilibré envers soi-même. Vraiment, là, on a cet équilibre qui arrive et regardez, il y a un nouveau départ au niveau amoureux, affectif, et c'est déjà l'amour de soi-même, ce que je ressens. Là, vraiment, on va remettre l'amour, l'âme au centre et c'est là où on va potentialiser un petit peu toutes nos capacités d'âme. Parce que là, on va vibrer avec l'âme, vraiment. Je ne vais pas le faire comme ça aujourd'hui. Tiens, j'ai envie de changer. Vu que je n'ai pas pris les animaux là-bas, je vais prendre les animaux ici. Je ne sais pas pourquoi, ne cherchez pas, j'ai envie de le faire comme ça. On va aller prendre les messages des animaux. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire pour nous guider. Puis après, on prendra
On prendra des cartes conseil avec l'oracle de l'héritage divin. Qu'est-ce que les animaux ont à nous donner là comme conseil sur le cirage? Quand même assez clair, hein, là, je veux dire. Là, on débloque quelque chose d'important, le chat, l'indépendance. Alors ça, c'est magnifique qu'on ait le chat qui tombe ici, avec cette indépendance. Il y a cette notion d'être indépendant aussi dans sa sexualité, dans ses amours, dans ses relations. D'être indépendant au niveau financier, d'être indépendant dans sa façon de réfléchir. Le chat, il est aussi un pied dedans, un pied dehors. Il voit à travers le voile de l'illusion, vous voyez, il fait des soins énergétiques. Il a tout ce côté spirituel, il a tout ce côté ancestral. Depuis la nuit des temps, les chats dans l'Égypte ancienne sont vénérés comme des dieux, c'est pas pour rien, vous voyez ce que je veux dire? Les chats, ils sentent les énergies, ils sentent tout ça. Alors peut-être que vous étiez un chat dans une vie antérieure, on ne sait pas, en tout cas à cette notion, et ils sont aussi très indépendants. Mais parce qu'on reprend cette indépendance, on reprend notre pouvoir là, vraiment dans ce tirage, clairement. Hein. En tout cas, c'est dans les énergies. Sur la mort, le 7 d'épée et la chance. Quels sont les messages des animaux, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire aujourd'hui? Alors, vous pouvez faire des méditations pour aller dans le monde d'en bas aussi. Vous pouvez rencontrer vos animaux totems, si vous l'avez jamais fait. C'est très intéressant à faire. C'est vraiment super intéressant à faire. Moi, je l'ai fait, c'est... Regardez. Le paon. Avec la spiritualité. Regardez toutes ces couleurs. On dirait des yeux un petit peu. Vous voyez, c'est comme s'il y a un troisième œil qui s'ouvre. Et le fait d'avoir été trahi, trompé, blessé, ça vous aide à vous reconnecter à cette spiritualité. Vous allez vers un nouveau départ où vous allez être beaucoup plus ancré et aligné avec votre âme ici. Et c'est super intéressant, quoi. Là, vraiment, c'est une belle avancée, quoi. Hein. C'est une belle avancée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le saumon avec l'aventure. Donc, c'est le fou hein, qui part à l'aventure. Où là, vous allez dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau. Le saumon vit aussi dans l'eau, comme vous le savez. Mais ce n'est pas anodin qu'il y ait un saumon qui tombe. Parce que le saumon, c'est aussi tout ce côté eau et aquatique qui me parle beaucoup de purification aussi, de purification d'énergie, de fluidité, de lâcher tout ce qui est lourd et qui vous pèse pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, quand on part à l'aventure, on a le cœur léger, on est plein d'excitation, plein de passion, plein de feu, vous voyez. Donc, c'est vraiment cette purification par le feu. J'ai l'impression que vous êtes amené là, pour ceux qui reviendront de tirage, à qui ça parlerait, avec qui ça vibrera, à aller faire quelque chose de plus grand. Vous avez quelque chose de l'ordre du spirituel à faire de plus grand et on vous attend en fait. Là, vous voyez, pilier de lumière, c'est pas rien quoi, vraiment. C'est aussi soutenir Gaïa, soutenir la terre, les piliers de lumière. Hein. Soutenir Gaïa et là, on purifie notre intérieur pour avoir la force aussi de faire cet alignement avec la terre et le haut et la source. Ou Dieu, vous appelez-le comme vous voulez. Le rhinocéros avec la protection. Le rhinocéros est aussi très fort, vous voyez. Vous vous protégez là et... on vous protège, vous êtes protégé aussi, vous voyez. Et là, le rhinocéros vient nous rappeler la force que vous avez à l'intérieur de vous. Cette force-là qui est de foncer. Là, j'ai du chakra cœur, j'ai du chakra coronal, j'ai du chakra du plexus solaire, j'ai du chakra gorge, j'ai de la communication, j'ai de l'âme, du cœur, j'ai des émotions rééquilibrées, j'ai de la connexion avec la source. Voilà tout ce que je vois. Et regardez en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? Le chien avec la loyauté. On vous dit de rester fidèle à vous-même et on vous dit que vous êtes votre... Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme et c'est aussi être son meilleur ami à soi. Vous voyez, derrière, j'ai encore les guides qui viennent, donc je comprends pourquoi j'ai été appelée par cet oracle. On est parti. Ouf, ça canalise aujourd'hui, hein. J'ai des messages, hein, moi je vous le dis. Hein. Quels sont les conseils, ou le roi de coupe? On vous conseille d'être stable, de rester stable malgré la tempête qui passe derrière. Restez stable, ayez la force de rester stable, vraiment, c'est-à-dire de vous ancrer, de faire peut-être des méditations d'ancrage, d'écouter votre âme, votre cœur, d'être fidèle à votre âme, à votre cœur, d'être peut-être dans la créativité aussi, vous voyez. Peu importe ce qui se passe autour, restez dans cette stabilité interne, vous voyez. Le roi de couple est stable quoi qu'il arrive et il est stable, il est fidèle. C'est quelqu'un de très fidèle à son cœur, d'accord? Quels sont les conseils qu'on vous donne encore pour aujourd'hui là? Oh, le 9 de denier, vous voyez, c'est le même que celui-là. On vous conseille de vous occuper de votre ancrage et de votre abondance aussi, vous voyez. Et ça passe par la spiritualité. J'ai l'impression qu'il y a un métier, un travail qui doit être en lien avec cette spiritualité, vous voyez. Vous avez un peu une mission d'âme et une mission de vie à faire ici.
Il y a quelque chose, vous serez dans l'abondance quand vous écouterez votre spiritualité. L'as de bâton, je vous le dis depuis le début, on nous parle de feu, de passion, vraiment de se reconnecter à la passion. L'as de bâton, c'est exactement ça. On part à l'aventure dans quelque chose, un nouveau projet qui nous passionne et on vous conseille d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui fait vibrer, ce qui vous donne du désir. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être... Voilà, qu'est-ce qui fait vibrer votre passion et vos désirs? Allez vers ça. Ça, c'est le conseil des guides. Quel est le dernier conseil, s'il vous plaît? La tempérance. Alors, avancez avec passion, mais tempérez vos énergies, dans le sens où soyez pas trop dans le feu. Vous savez, quand on est dans le feu, dans la passion, quelque chose qui nous passionne, des fois, on s'emballe. Là, on vous dit, ne vous emballez pas, partez à l'aventure dans un nouveau projet, mais prenez le temps quand même de faire les choses. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose, on y va pas à pas et tranquille, en fait. Voilà, c'est cette notion aussi de calmer ce feu ardent. Bien sûr, il faut l'écouter pour avancer, mais pas non plus se brûler les ailes avec, vous voyez. Et là, regardez, j'ai quoi derrière? J'ai un as de coupe, un nouveau départ au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Ça peut me parler d'une nouvelle relation d'amour qui vient à vous. C'est vraiment un chouette tirage qu'on a aujourd'hui. On va aller prendre les messages de votre âme pour aujourd'hui. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? Tous mes êtres de lumière. Ah bah tiens, plonge. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Je ne sais pas si vous voyez, on a encore cet alignement là, vous voyez. Cette notion de méditation peut-être pour vous reconnecter à vos guides, méditation pour aller se reconnecter au monde d'en bas, ça peut être ça aussi. En tout cas, cette notion de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour avancer pour soi et pour avancer dans le bon sens pour soi. On va aller voir avec les portes de l'intuition une dernière carte et puis après je vous laisserai là tranquillement pour ce dimanche. Qu'est-ce qu'on me dit avec les portes de l'intuition? Le ressenti, c'est exactement ça, la spiritualité. On purifie, on va vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, vous voyez. Peut-être on est rappelé par des vies antérieures ou regarde avant dans d'anciennes vies, tu étais médium, tu étais, je ne sais pas moi, tu étais chamane ou j'en sais rien, vous voyez. Et là, vraiment, vous allez être amené à ça. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On nous parle encore d'ancrage, on nous parle de loi de l'attraction, on nous parle de visualisation pour pouvoir matérialiser les choses. J'ai mes ongles qui ont l'air dégueulasses, mais c'est parce que j'ai fait de la peinture, donc vous inquiétez pas. Voilà, je suis navrée, voilà, j'ai un enfant, donc on fait de la peinture. Voilà, vraiment cette notion d'ancrage et de ressenti. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc se reconnecter à ses ressentis vraiment et à cet ancrage-là. Et c'est aussi, une fois qu'on est bien ancré, on est beaucoup plus stable et on peut ressentir tout ça à l'intérieur de nous pour pouvoir matérialiser les choses. Et là, j'ai l'impression que ce que vous avez vraiment à matérialiser, c'est ni plus ni moins que une médiumité, vous voyez. Regardez, ça va vous aider à maîtriser mieux aussi. Hein. On a vraiment ça qui ressort dans ce tirage aujourd'hui. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est un portail énergétique important, 12-12-21. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. On se retrouve pour les tirages journaliers et autres la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, passez un excellent dimanche. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like. J'ai mis la petite cagnotte qui est en ligne sur mon site aussi. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est avec grand plaisir. Je vous embrasse fort les loulous. Ciao, ciao.